Enregistré sur Enchaîne. À partir de maintenant, c'est enregistré. Donc, je disais, l'événement a été vraiment, 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 vraiment dingue et on est tous surexcités. Excusez-moi. Juste, vous pouvez tous venir ici. Parce qu'en fait, il y a des gens qui parlent, ça. Juste, voilà, je voulais vous dire aussi les annonces. Les annonces, moi, ce qui m'a. Quelle a été votre annonce la plus importante pour vous? Les clients qu'on va pouvoir déplacer et les distribuer. Gwendo, après un bac plus 3, 4 plus 1, c'est normal. Donc, c'est vrai que ça va nous permettre, parce que c'est ce qu'on avait parlé justement quand on était à Paris. Et à Paris, il y a beaucoup de questions. On les a rendus fous. On leur a parlé de bonus. On leur a parlé d'énormément de choses. Mais malheureusement, des fois, ils ne peuvent pas tout faire parce qu'on n'a pas le choix de pouvoir tout faire. OK ? Ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ci. Et surtout, nous, la France, on est petit par rapport au marché des États-Unis. On essaye d'avoir des avis, des opinions, etc. Mais ce n'est pas si évident que ça. Donc, après, ouais, il y a l'application aussi. D'ailleurs, ça va être à partir de quand l'application ? Début février. L'application, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré au niveau de l'application, c'est qu'il va y avoir un changement de fou, c'est-à-dire qu'on va pouvoir valider simplement les clients et les distributeurs via le site. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je vais valider un distributeur ou un client, on va pouvoir les accompagner et suivre leur évolution réelle. C'est-à-dire que aussi, si imaginons, il y a Nico qui veut être client, je vais lui envoyer le lien, je vais voir s'il a cliqué, je vais voir s'il a payé. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme, énormissime. Et c'est un accompagnement qui… Parce qu'il va avoir des notifications qu'on va recevoir, en fait, pour nous dire certaines choses, OK ? Savoir l'évolution des clients, savoir l'évolution des distributeurs, etc. Regarder ce qui manque au niveau de sa position, les produits exactement aussi. Savoir très simplement, précisément, le progrès et savoir aussi le 4 plus 1. Le 4 plus 1, où est-ce qu'on en est au niveau du 4 plus 1? Bon, là déjà, mais ça va être beaucoup plus fluide en fait au niveau de l'application. Parce qu'on sait qu'au niveau de ce qu'on a eu, l'application Connect, ce n'était pas encore bien comme il le fallait. Mais là, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui a été mis en place et qui est juste vraiment dingue. Après, je vais parler… Qui connaît les annonces? Levez la main pour ceux qui ne connaissent pas les annonces. N'hésitez pas, parce qu'il se peut qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. OK, Victoria. Il y en a d'autres? Sandala, OK. N'hésitez pas à activer vos caméras aussi, pour ceux qui le peuvent. Si vous voulez lever la main, voilà, il y a iPhone qui a levé la main, donc tu peux mettre ton nom, il n'y a pas de souci. Alors, déjà, pour faire un rappel au niveau des bonus. Hier, il y a eu une avalanche de bonus. Donc, on va essayer de dire le maximum. Bon, au début, ils nous ont annoncé les bonus diamants de 10 000 $, les doubles diamants de 15 000 $, triples de 25 000, 30 000 pour les présidents diamants ambassadeurs, 50 000. Ensuite, ils les ont multipliés par deux. Donc, le diamant, c'est 20 000 $. Double diamant, 15 000 $. 15 000 $, c'est énorme. 30 000 $, c'est énorme. Triple diamant, 50 000 $. Président, 70 000. Ambassadeur, 100 000 $. Et bien évidemment, comme chaque année, il y a bien évidemment des personnes qui vont prendre des primes de 50 000 $. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous imaginez la chose. Nico, qu'est-ce que tu peux, je ne sais pas si tu peux parler du requalification bonus, parce que ça a intéressé beaucoup de personnes. Je vais le mettre ici. Ça, c'est puissant. Au niveau des requalifications pour les personnes qui ont perdu des positions, parce que, comme évidemment, comme elle a dit Gwendo, des fois, on perd des positions pour après mieux se relever, etc. Pour les personnes qui ont déjà passé des positions, diamant, double, triple, etc., le truc qui est vraiment, vraiment puissant, c'est que je mets dans la peau, là, je veux parler à la deuxième personne du singulier. Tu perds ta position, tu deviens émeraude, OK ? Et tu es triple diamant. Tu perds la position d'émeraude. Mais tu requalifies ton diamant. Tu requalifies ton diamant. Tu requalifies ton double diamant et ton triple diamant. En requalifiant le diamant, tu as une prime de 5000 $. En requalifiant le double diamant, tu as une prime de 7500 $. En requalifiant ton triple diamant, tu as une prime de 12500 $. Mais tu cumules les trois. Tu cumules la prime de 5000, de 7500 et de 12500. Si tu fais émeraude, triple diamant, mais tu passes par diamant et double et triple. Donc, tu cumules les trois positions. Et ça, c'est un truc de malade. Après, moi, ce que j'ai entendu aussi à la conférence,
Ben, c'est les choses qui ont permis aux gens d'exploser. On le répète encore, on le dit tout le temps, les réels. Les réels Facebook, on le répète encore et encore et encore. Les réels Facebook, c'est ce que les personnes disent en premier dans les actions. C'est pas pour vous dire, ouais, il faut que tu le fasses. Non, on vous donne des conseils, il faut appliquer. Il faut les appliquer. Et même si vous vous dites, ouais, mais j'aime pas montrer mon visage, j'aime pas faire ci, je me sens pas à l'aise. C'est à quelle échelle tu souhaites réussir. Soit tu es à 1, soit tu es à 10. Si tu es à 10, tu vas faire les réels. Si tu es à 1, c'est pas bon. Si tu es à 8, c'est pas bon. Il faut que tu sois à 10. Et tu dois faire des réels. Tu dois faire des stories. Et il y a une phrase qui m'a impacté, même si je la connaissais déjà, c'est le suivi est dans le succès est dans le suivi client. Le succès est dans le suivi client. Et je vais vous dire honnêtement, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Parce que Gwendo, les nombres de clients qu'elle fait, et 90% de ses clients deviennent distributeurs. Le succès est dans le suivi client. Et lorsque vous suivez bien un client, il va vous recommander à d'autres personnes. Et cette personne-là va se lancer dans l'équipe et va devenir une machine. Mais par rapport aux primes, par contre, vraiment, les primes, je ne sais pas si ça vous parle, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, parfois peut-être, qui ont peur de gagner beaucoup d'argent. Peut-être, hein, parce que vous êtes limité à un plafond, vous avez peur de gagner. Peut-être, vous dites, ouais, mais 4 000 euros, c'est impossible, ou c'est trop pour moi, 4 000 euros. Peut-être que vous avez peur de gagner beaucoup d'argent. La peur, comme elle disait Sandrine, la peur de gagner beaucoup d'argent existe. La peur du succès, ça existe. Mais faites un retour en arrière et dites-vous que c'est une revanche sur la vie. Vous avez, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que vous avez envie de réaliser. Un voyage que vous voulez payer à vos parents, à votre chérie ou à vos enfants, partir. Ne plus dire, ouais, je vais, je ne sais pas, j'ai du mal à payer des vacances pour partir en vacances avec mes enfants, etc. Mettez ça, c'est des objectifs qui vous brûlent. Ça, c'est des objectifs, moi, franchement, c'est des objectifs qui me brûlent. Me dire, je vais partir, on va partir, etc. On va se mettre ça comme objectif et on va le faire. Mais il faut vraiment que ça vous brûle. Je ne sais pas, je sais que c'est ça peur. C'est, l'argent, des fois, ça fait peur. Mais là, les annonces, oh, ça fait 7 ans, cette année que je suis dans l'activité, des annonces, il y en a eu encore et encore et encore et encore. Ouais, j'ai raflé 2 primes de 10 000, de 15 000 et de 7 500. Et franchement, certes, j'y croyais pas forcément. Je n'y croyais pas. Mais quand je les ai eues, c'était là sur la table. C'était là sur les suites, sur l'onglet commission. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est ouvert à toute personne. Si je ne me prends pas pour Dieu, hein, même s'ils sont, même s'ils sont beaucoup croyants ici, je ne me prends pas pour Dieu, mais si je l'ai fait, c'est vrai, vous me connaissez, je suis un cancre. J'étais un cancre à l'école. Comme a dit Sonia, pour ceux qui sont musulmans, j'étais un haïgoun. Musulman, ça parle comme ça. Maghrébin, j'étais un haïgoun. Je veux dire, j'étais un imbécile. C'est vrai, j'étais un cancre à l'école. Mais je me dis, mais si moi je l'ai fait, mais tout le monde peut le faire. Alors que j'étais timide, réservé, je n'avais pas confiance en moi, je n'osais pas parler devant les gens. Il y a beaucoup de choses. Et puis, je suis un homme. C'est ça, je suis un homme. Cosmétique. Homme. J'y croyais pas du tout. Donc, c'est vraiment, franchement, ne vous trouvez aucune excuse. En plus, ce n'est pas une disqualification, mais être black, c'est vrai, hein, excuse-moi, hein, être black, voilà, vous savez très bien. Hein. Donc, Cécilia, je regarde Cécilia. Elle est métissée et tout. Bonjour, Cécilia. Donc, vraiment, foncez, les amis. Vraiment, c'est fait pour tout le monde. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que vraiment, il faut que vous sachiez, c'est qu'on bosse dur, vraiment. Je ne vais pas vous vendre du rêve et vous dire, il ne faut rien faire, tu profites. Que tu sois leader ou non, on bosse tout le temps, on ne s'arrête jamais. Je ne veux pas que vous croyiez que, oui, on profite, c'est vrai, mais on est quand même sur nos téléphones, d'accord? Le score arrive avec le travail. Il ne faut pas croire qu'on ne fait rien. Et ça, c'est important. Moi, je veux vraiment vous le dire, c'est que je suis tout le temps à 100%. C'est important, vraiment. Mais à quel prix?
Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, la vie que j'ai, c'est vraiment grâce au fait que je n'ai jamais rien lâché, leader ou non, d'accord ? Donc, que vous soyez leader ou non, peu importe, il y a quand même des personnes qui sont distributeurs et qui se font 2000 euros par mois. Et ce n'est pas une blague, d'accord ? Donc, on s'en fout, peu importe la position. Évidemment, allez les chercher, ça, c'est ce que je vous conseille. Mais par contre, travaillez dur tous les jours, d'accord ? Après, j'ai envie de vous dire dur, oui et non, parce que j'ai connu le monde du salariat et pour moi, ça, c'est dur. Donc, si vous l'êtes actuellement salarié, bienvenue au club. Je l'étais aussi, je travaille 35 heures et je travaillais en plus pour It Works et je suis passée triple diamant en étant salarié. Mais si vous ne l'êtes pas ou que vous le soyez, peu importe, faites-le. Faites-le à fond. Aujourd'hui, vous êtes tous sur la Zoom conférence, c'est que vous y croyez dur comme fer, c'est que vous avez envie de passer des grosses positions. Je pense que vous avez envie de vraiment percer dans cette activité. N'oubliez jamais que ceux qui percent, c'est ceux qui n'abandonnent jamais, d'accord ? Surtout, vous allez monter, baisser, ça je veux toujours le rappeler parce que c'est vrai que c'est important de le savoir. Vous allez monter, baisser, peu importe, on s'en fout. C'est, franchement, monter, baisser, c'est bien, mais après, tu ne peux que sortir en haut, d'accord ? Et je suis contente de pouvoir vous le montrer aujourd'hui. On est super contente d'être passé sur scène. Je vais toujours le répéter, je suis désolée, mais c'est une grande, grande, grande fierté de vous montrer que si j'avais lâché, je n'en serais pas là. Donc, surtout, 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 faites des actions tous les jours. Essayez d'innover. Nous, on a cherché à innover, hein, sincèrement, avec le secret Gwendo. Essayez d'innover. Essayez d'apporter beaucoup de positivité à travers vos publications. Faites beaucoup de réels, tu l'as déjà dit. Après, il n'y a pas de secret secret, d'accord ? Nous, on vous partage tout. Il faut juste après chacun avoir sa personnalité et rester soi-même et juste, oui, être beaucoup, beaucoup actif sur les réseaux. Ça, c'est important. Et moi, je voudrais vraiment vous dire du fond du cœur, du fond, parce qu'en fait, en 7 ans, j'en ai vu des gens partir, etc. Vraiment du fond du cœur, ne lâchez, mais vraiment, ne lâchez rien. Vous êtes pas, il y en a qui ne sont pas dans mon équipe, hein, mais réellement, vraiment, du fond du cœur, vraiment, ne lâchez rien. Croyez-moi, ne lâchez rien. Ne lâchez vraiment rien parce qu'il y a réellement quelque chose que vous pouvez réaliser avec cette opportunité-là. Mais vraiment, vraiment, ayez la vision sur du long terme. Mais là, je vous parle avec le cœur, mais vraiment, puissant, puissant, ne lâchez vraiment rien. Parce que les personnes qui partent, déjà, elles nous laissent encore plus d'opportunités pour nous. Donc, c'est génial. Mais vraiment, ils loupent quelque chose. Ils ratent quelque chose. Donc, continuez vraiment, n'abandonnez jamais. Vous avez le droit d'avoir des coups bas, mais n'abandonnez jamais. Jamais. Quitte à mettre des réveils, ne vous trouvez aucune excuse parce que là, j'ai vu, dommage qu'on n'a pas les produits. Non, 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 ce n'est pas comme ça que tu dois penser. Tu dois te dire, c'est cool, on a un nouveau produit, par exemple. Mais c'est vraiment important. C'est un travail mental qui doit se faire tous les jours. D'accord ? Surtout nous les femmes. Il faut, si vous avez besoin, de regarder des vidéos de motivation, peu importe, on s'en fout. Mais sincèrement, n'oubliez pas que si vous êtes vous avec un mindset « Ah zut, j'aurais aimé avoir plus de produits », tu peux pas vraiment être dans des ondes à transmettre aux gens l'envie soit de se lancer ou faire la perte de poids ou peu importe avec toi. D'accord ? Et un petit conseil aussi, partagez vraiment des citations, partagez des photos de vous en bombe vraiment sur les réseaux. C'est ce qui marche énormément, d'accord ? Même si on sait que tous les jours, on n'est pas en bombe, mais ça, c'est une petite astuce que je fais et qui marche énormément, d'accord ? C'est un monde comme ça. Ouais, et c'est vrai qu'une petite parenthèse, je ne sais pas si elle était exécutif ou émeraude, mais elle a perdu toutes ses positions et en un an, elle est redevenue double ambassadeur. Voilà. De émeraude, hein ? Double ambassadeur. De émeraude à double ambassadeur. Elle a tout perdu de ses positions. Elle est redevenue émeraude. Ouais. Et après, il y a émeraude. Il y a diamant, double diamant, triple diamant, président, ouais. Ambassadeur, double ambassadeur. Ouais. Et elle a tout recommencé. Oui, boum. Oui. Alors, imaginez-vous le mindset. C'est dans l'état d'esprit. C'est là-dedans que ça se joue. Là aussi, mais c'est là-dedans que ça se joue. C'est vous qui décidez vraiment ce que vous voulez faire. Vous êtes la seule personne, la seule et unique personne à choisir votre destination. Où est-ce que vous voulez aller ? Vous êtes la seule et unique personne. Et pour tout ce que vous avez fait auparavant, sincèrement, justement, c'est là aussi où aller. Peut-être mettre un peu plus d'intensité, peut-être avoir peut-être plus le smile, peu importe, mais vraiment, faites vos actions. Mettez des réveils. Moi, sincèrement, avec les 4 bébés, là, ils ne sont pas là, mais quand je suis avec mes 4 bébés, je suis obligée de mettre des réveils. Mais les actions sont faites. À la fin de la journée, tu dois vraiment te dire sincèrement, je n'ai plus rien à faire.
Ne repousse rien au lendemain, c'est super important. Si tu as une équipe avec une personne, fais des zooms. Je suis désolée, hein. J'avais 5 personnes dans mon équipe, je faisais des zooms, il y avait une seule personne qui se connectait. Mais imagine la personne, t'es inspirante pour cette personne, tu la boostes, cool, super, t'as une bombe, d'accord ? Après, on l'a toujours dit, c'est à chacun de faire le travail, mais c'est vrai qu'après, il faut aussi dupliquer à son équipe pour pouvoir percer et atteindre les sommets. Donc, transmettez beaucoup à vos équipes, sincèrement, faites des zooms, faites tout ce que vous pouvez, donnez tout ce que vous pouvez. Et ce qui est bien aussi, les gens, ils aiment bien, c'est partager du contenu qui entre guillemets, ne donne pas l'impression que tu as envie de vendre. Essaye de beaucoup donner de toi-même sans attendre en retour forcément. Et c'est ça où les gens, vraiment, ils ressentent que tu es une bonne personne. Montrez que vous êtes une bonne personne parce que les gens sont fort sceptiques. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un travail que j'ai fait depuis 7 ans. Et je suis contente parce que c'est vrai qu'il y a eu dans les débuts, ça a été difficile parce que forcément, si vous venez de vous lancer, je pense que vous le vivez, les gens qui nous tournent le dos, les gens qui ne comprennent pas, ça c'est normal, d'accord ? Mais à force de montrer tous les jours, la personne bienveillante que tu es, sincèrement, ça va marcher, ok ? C'est ça, parfait. Donc voilà, pour moi, j'en ai terminé là, mais n'oubliez pas, faites des stories, ayez des objectifs, réalisez vos objectifs. Faites des stories, faites des réels, faites des stories, faites des réels, faites des stories, faites c'est des réels. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et appelez un maximum de personnes. Appelez un maximum de personnes et ne tombez pas dans la routine. Ne tombez pas dans la routine. Innovez. Voilà. Innovez. Contactez votre upline. Innovez. Regardez ceux qui réussissent. Essayez de vous inspirer. Ne tombez pas dans la dépression. Ne tombez pas dans la frustration de se dire « je ne fais pas de clients ». Ceci. Ne tombez pas dans la frustration. Ne tombez pas dans la frustration. C'est le pire ennemi, c'est la frustration. Et de s'isoler, c'est le pire ennemi aussi. OK ? Parce que l'inaction est un choix. L'action aussi est un choix. Prenez le bon choix. Donc, on partage du positif. On essaye vraiment de ne pas faire des phrases négatives. On en a vu, c'est super important. D'accord ? Commencez par déjà vous dire ça. Et n'oubliez pas, on est encore en janvier, les bonnes résolutions, la perte de poids, il y a de quoi faire. On se focalise vraiment sur la perte de poids et sur le recrutement aussi. Mais vraiment, 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 foncez tête baissée. Cherchez pas à comprendre, s'il vous plaît. Je sais que tu parles beaucoup du comment, mais moi, je cherche même pas à comprendre. Je fonce tête baissée, je fais les actions et ça pète comme ça. Sincèrement, essayez de vous dire, il faut que je fasse un client, un distributeur par mois, par jour, excusez-moi, parce que c'est mon objectif. Un client, un distributeur par jour, ok ? Si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave, mais focalise-toi vraiment que c'est important à le faire, vraiment, d'accord ? C'est vrai, parce que c'est vrai que si vous ne réalisez pas votre objectif, vous allez être frustré. C'est pour ça que je le dis, la frustration, c'est le pire ennemi. Il ne faut pas être frustré si vous ne faites pas le client dans la journée. Vous dites, ok, le lendemain, je me challenge, j'ai tout fait, mais le lendemain, je me challenge et je le dis à ma upline, je le dis à quelqu'un, etc. Comme ça, je fonce et je le fais. Je le fonce et je le fais. Je le fonce et je le fais. Et il y a beaucoup de choses encore qui vont arriver dans les semaines, dans les mois à venir. On a parlé avec le PDG John Alcala. Mon Dieu, le CEO, mon Dieu, vous n'êtes pas prêts. Il y a des choses qui arrivent, qui vont être mises en place. Et vous êtes la France, là, nous, la France, c'est notre tour. C'est maintenant. C'est notre tour. Préparez-vous. Il nous prend aux petits oignons, attention. Sonia ? Ouais, moi, je voulais juste partager un peu. Recoucou. Alors, moi, je voulais vous partager un peu les annonces qu'il y a eu. Donc, n'hésitez pas à les noter, puisque c'est vraiment pour que vous sachiez les dates, pour que vous sachiez comment atteindre vos bonus, etc. Déjà, premièrement, sachez que la remise de 50% sur les frais d'adhésion, elle est encore maintenue jusqu'au 1er février, donc juste tout le mois de janvier, en fait. Donc, du coup, il passe à 12 euros et quelques. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de dire, en fait, je ne sais pas si vous avez mis une stratégie en place en inventant une box minceur ou un pack et de dire qu'il y a 12 euros de moins. 12 euros de réduction sur du coup le pack beauté, peu importe. Et ça permet toujours justement, les gens aiment les promotions. Donc déjà pour commencer, ensuite, sachez que pour ceux qui veulent aller chercher leur rubis et leur émeraude, vous avez encore du temps puisque vous avez tout ce qui reste de janvier et tout le mois de février, d'accord ? Donc vous avez jusqu'au 1er mars, 6h59, pour valider votre rubis et votre émeraude. Pour rappel, le rubis, vous avez une prime de 500 $ et l'émeraude, vous avez une prime de 1 000 $. Franchement, un mois et demi, c'est énorme. Si vous auriez entendu les histoires, il y en a qui l'ont fait en 3 jours. On a eu Barbara Hauser qui a fait son diamant avec les anciennes structures en 9 jours.
Donc, ne vous dites pas c'est compliqué, même si vous avez tout perdu ou que vous commencez. Un mois et demi, c'est très large, d'accord? Ensuite, pour le reste des positions, c'est-à-dire à partir du diamant jusqu'à l'ambassadeur, vous avez du coup là jusqu'au 1er avril. Donc, en fait, quand ils disent 1er avril, vous avez tout ce qui reste de janvier, tout février et tout mars, d'accord? Donc, vous avez deux mois et demi pour aller chercher vos positions. Donc, notez bien par contre que le rubis et l'émeraude, c'est jusqu'à fin février et les autres, c'est jusqu'à fin mars. Ça, c'est important. Ensuite, par rapport au 4 plus 1, d'accord? Donc là, écoutez bien parce que ça va être un petit peu… Voilà, il faut vraiment se concentrer. Sachez que au niveau des 4 plus 1, je ne sais pas si vous étiez au courant que dorénavant, vous pouviez faire des clients de 50 BV, d'accord? Plus de 100, mais de 50 BV, ça compte pour vos 4 plus 1. C'est toujours maintenu, d'accord, jusqu'au 1er avril. Donc, je répète, jusqu'au 30 mars, vous pouvez toujours faire des clients fidèles de 50 BV qui compteront pour vos 4 plus 1. Par contre, il faut que l'ensemble de vos 4 clients, voire plus, comptabilisent en tout 300 BV. Ça, c'est très important. Ça veut dire que vous pouvez très bien faire 7-8 clients à 50 BV. L'essentiel, c'est d'avoir 300 BV à la fin. D'accord? Donc, ça, notez-le bien. Et ensuite, il faut savoir que à partir du 21 janvier, donc ce n'est pas encore, mais sachez-le, à partir du 21 janvier, vous pourrez déplacer des clients. Vous ne serez plus obligé de garder des clients pour vous. Donc ça, je vous le dis parce que vous avez reçu le mail. Ne vous trompez pas, déplacez-les pas pour l'instant. C'est à partir du 21 janvier. On est combien là? Oh, bah c'est bon, on est le 22, pardon. Je suis à l'ouest, moi. Bon, à partir de maintenant, vous pouvez déplacer vos clients. Donc, regardez bien, vous avez les règles, les procédures, vous avez reçu le mail. Moi, je vous donne un conseil, regardez bien pour ne pas pleurer après et dire « Ah oui, mais je n'ai pas eu le bonus ». C'est des petites règles, il faut juste les savoir. Renseignez-vous, mais ça, c'est incroyable parce que vous allez pouvoir toujours gagner de gros bonus, comme disait Gwendo. Là, on a vu des rubis gagner 8 000, 5 000 euros grâce au 4 plus 1. Mais vous allez pouvoir aussi aller chercher vos positions parce qu'on ne sera plus obligé de garder nos clients. Et c'est pareil pour les 4 clients de vos distributeurs. Ils pourront aussi les placer dans leur réseau. Donc, ça, c'est incroyable. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Foncez et allez chercher les positions. Chaibi. Ouais. Alors, j'ai connecté l'ordinateur, il y avait 1%. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Enfin, il n'y avait pas de pourcent, mais quand on l'a connecté, il y avait pas mal de pourcentage maintenant. Donc, juste maintenant, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que n'oubliez pas d'être focus sur les positions, sur la prochaine étape logique constamment à chaque fois. La position de rubis, la position d'émeraude, la position de diamant, la position de double diamant. Il y a de l'argent à faire. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des très, très grosses sommes parce que pour la majorité des personnes qui assistent aux événements et qui voient un petit peu l'évolution des gens après les événements, pour la première fois, ceux qui valideront le rubis, pour la première fois, il y aura une prime de $500. N'hésitez pas à voir les règles, les conditions. Des fois, je ne sais pas s'il y a des clients fidèles, si on doit garder des clients sur nous, etc. La première fois, émeraude, $1 000. Je ne sais pas si vous imaginez, il y en a des milliers qui vont les faire là. Il y en a des centaines, voire des milliers qui vont les faire là. Et ils travaillent de chez eux, des primes comme ça. Après, bien évidemment, l'évolution directe derrière, c'est la position de diamant. La position de diamant. La position de diamant, c'est la position clé de la société. C'est la première position où vous êtes leader. On peut vous qualifier de leader dans la société. Double diamant. Il y a vraiment de l'argent à prendre à partir de maintenant et ça, ça vous appartient. Par contre, je vais vous dire une chose, pour tous les gens qui sont allongés au plus profond de leur fauteuil et qui se posent des questions en ce moment, si je vais faire mon max, il va falloir se lever, bosser comme une dingue. Il va falloir se bosser et se mettre à bosser. Par contre, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que tout le monde peut le faire. Il y a tout le monde qui peut le faire. Moi, j'ai fait $85. Je me suis donné à fond le premier mois, mais comme jamais, j'ai fait $85. Après 8 mois, j'ai fait $8 000 par mois. Et après, ça a continué à évoluer. Je suis parti jusqu'à 17 000 euros par mois. 17 000 euros, après, c'était placé en euros. 17 000 euros par mois. Il y a des gens dans mon équipe qui gagnent 3 fois ce que je gagne. Dans mon équipe, il y en a plein même qui gagnent beaucoup plus que moi maintenant. Énormément. Mais la grande question, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez être?
commencez pas à vous trouver des excuses. Parce qu'il y a des gens qui sont connectés, qui se disent, mais Jamel, je n'ai pas cette faculté-là à parler comme toi, peut-être devant quelques personnes. Je n'ai pas cette faculté-là à faire ceci. Je n'ai pas cette faculté-là à faire cela. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne regarde plus la personne que je suis, je veux regarder la personne que je veux être. Et ça commence maintenant. Ça commence par une attitude, ça commence par une décision que vous devez prendre envers vous-même. Et quand vous allez prendre la décision envers vous-même, les circonstances, le temps, les personnes, tout va se présenter sur vous comme un plateau, sur un plateau. Et par rapport aux actions que vous allez faire aussi. OK ? N'oubliez pas de faire les actions au quotidien. Pas se projeter sur une semaine. Pas se projeter sur 2 heures. Il y a des gens qui vont mettre une publication et ils vont attendre. Et je vais vous partager une phrase qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai dit peut-être tout à l'heure. C'est parfois tu vis, parfois tu es juste en vie. Donc, je pense qu'il est temps de vivre. Il est temps de réellement vivre. Parce que les gens qui sont là autour de nous et qui sont en train de vivre des vrais moments, ils ont fait preuve de courage. Parce que traverser l'océan pour venir jusqu'à ici, c'est une décision quand même. C'est une décision. Là, ils ont été impactés et il y a de l'argent à faire. C'est les seules vacances où vous retournez, vous faites plus d'argent. C'est bizarre, mais... Et il y a une phrase aussi qui partageait un petit peu tout, c'est que tu dois traverser ton désordre pour atteindre ton miracle. Tu dois traverser ton désordre. Parce que je sais qu'il y en a peut-être qui sont dans le désordre au niveau de leur vie, etc. D'ailleurs, on entend le vent ici. C'est une ville, Fort Myer, et à chaque fois qu'on allait en direction de Fort Myer, on voyait, il y avait des bateaux, il y a eu un cyclone, c'était en novembre ici, un cyclone, et bon, il y a tout qui a été remis, et des fois, on voit un petit peu des bateaux, il y a eu un bateau dans les arbres au retour, ouais. Un voilier dans les arbres. On traverse tous des périodes un petit peu de cyclone dans notre vie, mais ce qu'il faut faire, c'est ne pas perdre le cap de notre direction, ne garder toujours la bonne direction, garder la bonne motivation, garder cette rage-là. Et une phrase aussi que j'avais acheté d'ailleurs, le t-shirt de chez It Works, qui disait, vous allez abandonner pour quoi que ce soit si vous ne vous levez pas pour quelque chose. Il va falloir se lever pour quelque chose. Pour certains, c'est vos enfants. Mais bougez-vous réellement pour vos enfants. Ne faites pas semblant. Moi, je me suis lancé. Il y a beaucoup de personnes qui le savent. C'était pour ma mère. Elle avait des problèmes de finances. Elle avait des problèmes de santé après, par la suite, quand je suis revenu de Belgique. Elle avait des gros problèmes, des gros, gros problèmes. Mais vous pouvez, je vous le dis et je le confirme à 100%, vous pouvez être, faire ou avoir tout ce que vous voulez dans ce monde. Mais il faut se donner un ordre et l'exécuter. Il faut se donner un ordre, se dire, allez, là, ce mois-ci, c'est la position rubis, c'est la position de diamant. Je parlais tout à l'heure avec Barb Hauser et je ne l'avais pas reconnue de loin. Elle avait les lunettes de soleil. Je lui dis, et Barb, je crois que c'est Alexa qui lui a dit, comment tu as fait pour faire le diamant en 9 jours. Le diamant en 9 jours. Elle a dit, je parlais à toutes les personnes que je croisais. Et Barb Hauser, moi, je la connais parce qu'on avait passé un moment à Marbella. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait la serveuse. Elle venait, la serveuse, elle prenait son contact, elle lui envoyait un message immédiatement. C'est comme ça, si vous voulez évoluer. Il faut que ça soit comme ça constamment. Et Barb Hauser, elle est dans le club des millionnaires, la position ambassadeur, etc. Mais elle n'a jamais abandonné, jamais abandonné, ok? Et n'oubliez pas juste la phrase de Marc, nous sommes faits pour plus. Je vous jure qu'on est tous faits pour plus. Si vous pensez que vous n'êtes pas faits pour plus, c'est que vous n'êtes pas en accord en fait avec votre propre direction. Parce que quand vous lancez chez It Works, c'est une décision vraiment que vous avez prise. Vous avez le jour où vous êtes lancé chez It Works, ce n'est pas... X ou Y ou un conseil. Non, c'est vous qui avez pris cette décision-là. Donc, n'oubliez pas de... Quand il y a des gens qui vous disent que ça ne marche pas, quand il y a des gens qui vous disent « Oui, mais tu ne vas pas réussir », quand il y a vous-même votre propre voix qui se dit « Ça va être dur pour toi, ça va être dur pour toi », laisse tomber, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas ce mois-ci, on va le faire le mois prochain. Les gens qui réussissent valident des 3000 GV en 4 jours des fois. 3000 GV de gros volume, en sachant qu'une boîte, un HSN, c'est 30 BV, si je ne me trompe pas. C'est 30 BV, c'est ça, le HSN. Parce qu'il change tout le temps. Donc, vraiment, ne projetez-vous. N'ayez pas peur. Et les gens n'achètent pas vos produits. Les gens n'achètent pas votre opportunité. N'oubliez pas ce que je vais vous dire là. Écoutez bien. Les gens n'achètent pas vos produits. Les gens n'achètent pas votre opportunité. Les gens n'achètent pas
votre le wrap ou quoi que ce soit, les gens achètent votre émotion, les gens achètent votre énergie, les gens achètent votre enthousiasme, votre certitude. Il y a des gens qui sont connectés là, qui font des présentations et qui sont, je vous le dis parce que je l'ai été, très bas au niveau de leur fréquence vibratoire. Ils étaient dans le doute. Vous avez peur. Les gens qui sont connectés là, qui ont peur. Vous avez peur avant même de faire la première action. Sortez de votre zone de confort maintenant. Faites les choses que vous n'avez jamais faites pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. Il y a trop de gens qui sont connectés et qui font les mêmes choses constamment, 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 et ça ne marche pas. Et une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup impacté, c'est « Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à obtenir ce que tu as toujours obtenu. Si tu veux voir les choses changer dans ta vie, il va falloir changer les choses dans sa vie. Il va falloir changer les choses dans sa vie. Il ne va pas falloir changer les actions que vous faites, il va falloir changer les émotions que vous avez au niveau de vos actions. Parce que les actions, vous pouvez les faire pendant je ne sais pas combien de temps, mais il va falloir faire les actions avec les bonnes émotions. Maintenant, la Zoom, elle va être terminée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'espère du plus profond de mon cœur qu'il y a des gens qui sont connectés là. Et on est exactement dimanche 22 janvier aux États-Unis, il est 16h15. Pour vous, il est 22h15. J'espère qu'il y a des gens qui se disent, ça y est, c'est bon, c'est mon tour. C'est mon tour, c'est moi qui va accélérer. C'est moi qui va, comme moi, je me le suis dit quand j'étais au fond de la salle à Aix-en-Provence, c'est moi qui va changer l'arbre généalogique chez moi, dans ma famille. C'est moi qui va faire les choses. Je ne vais pas attendre que les gens, mes distributeurs, me poussent ou quoi que ce soit. C'est moi qui va faire. C'est moi, il n'y a personne d'autre. Parce que c'est vous qui devez donner la direction de votre équipe. Et ne dites pas, oui, mais Jamel, tu ne comprends pas, j'ai rentré 5 personnes, les 5 ont abandonné. Rentrez-en 30, 40, 100, comme on a fait. 200. On a rentré plus de 200 personnes depuis qu'on est là, même beaucoup, beaucoup plus, même 300, 400. Je crois que j'avais vu le truc, moi, je crois que c'était 500, 540. Ça fait des milliers de distributeurs. Je crois qu'il y a 540 clients distributeurs confondus. Mais vous devez être une machine, vous devez être une machine. On ne vous demande pas d'en rentrer autant, mais fixez-vous sur 50, 60. Appelle déjà. Appelle. Parce que moi, quand je me suis lancé, je faisais 85$. Je voyais l'évolution, etc. Et je me disais, oh, il faut se projeter. Il faut faire. Il faut faire des 4 présentations par jour. On faisait beaucoup plus que 4, 5. On faisait des fois 12 présentations par jour et on calculait le nombre de temps qu'on passait tellement on était précis, tellement on comptait sur cette activité-là et on la sentait au plus profond de nous qu'elle allait changer notre vie à tout jamais. Je le sentais et j'assistais aux événements et je voyais les gens partager des trucs et tout. C'est ce qu'il faut que vous sentiez maintenant. Okay, et j'espère vraiment qu'il y a des gens qui se disent, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont partir de cette Zoom-là et qui vont exploser. Mais qui? J'espère qu'il y a des gens qui disent, oui, c'est moi. C'est moi, c'est mon tour. Mon année 2023, ça va être mon année. Peu importe où est-ce que vous en êtes maintenant. Comme Gwendo, quand elle m'a appelé au début du mois, elle m'a dit, Jamel, c'est ce mois-ci le triple diamant. Elle a traversé des tempêtes. Elle a dit des fois des jours et personne qui répond. Mais elle avait dans sa tête. Et c'était fait, c'était la décision qu'elle avait prise. C'était la décision qu'elle avait prise. C'était en elle, c'était ancré. OK? Et pour vous annoncer, on va faire un gros événement en avril. Donc, n'hésitez pas à me suivre, Jamel Chribi, sur mon Instagram. Je vais mettre les informations. On ne sait pas encore, on est en train de voir avec Babette. Je mets mon Facebook. On va faire un événement, on va voir avec tous les leaders, si vous pouvez venir, bien sûr. Mais on va le faire. Moi, la décision, elle a été prise. J'ai vu avec Babette, j'ai vu avec John, le CEO. Je lui ai parlé de cet événement-là. D'ailleurs, il se peut qu'il vienne. Il se peut qu'il vienne parce que sa femme, elle adore le sud de la France. Mais il faut que vous venez. Il faut que vous venez prendre votre part. Il faut que vous venez sentir aussi l'énergie qu'on a là, vous retransmettre et accélérer. OK? Donc voilà. Bisous à tous à Fontainebleau. Ah non, il va falloir que tu descendes à Marseille. J'ai été jusqu'aux États-Unis. Donc, bon après, peut-être que ça sera dans le Nord. Je ne sais pas, hein, mais on va voir. En tout cas, merci à tous pour votre présence.